comment ça va? On a quand lequel? Jouer seul, tournoi, défi. D'accord. Ouais, du coup, c'est un petit test. Coucou Gabi! Ouais, je suis arrivée un peu tard là. J'étais un peu fatiguée. Du coup, je démarre le live quasiment au moment où d'habitude je finis. Mais bon, je voulais quand même tester avec vous ce petit jeu là parce que je dois le tester pour Gaming cette semaine et sortir le test écrit comme d'habitude et tout. Donc j'espère que vous avez la forme quand même. Bon, là on va faire comme le tutoriel et puis on va aller faire le dans l'ordre quoi. Et puis vous me direz si vous reconnaissez les persos parce qu'en fait c'est des personnages issus de jeux indés, si j'ai bien compris. Moi personnellement je connais que le personnage de Dead Cells, mais vous me direz si vous avez joué aux autres, Pierre. Là, je laisse juste le temps de démarrer et tout. Ouais, ça va tranquille. J'ai ma console qui va s'envoler par contre. Elle fait un de ces bruits. C'est une cata. Bah ouais, normal, je comprends. Désolée. Après, c'est vrai que du coup, j'enchaîne pas mal là. Enfin, j'enchaîne. Ça va encore. J'ai fini un test hier, du coup là je renchaîne directement sur un autre. C'est pas l'idéal, c'est sûr qu'en général on essaye d'avoir un petit break entre deux tests et tout pour se laisser le temps de respirer, de jouer à autre chose aussi. Mais bon, ça se fait pas toujours comme ça, c'est pas très très grave. Hein. Mais je sais qu'une fois j'avais enchaîné 6 à 7 tests comme ça, donc 6, entre 6 et 7 semaines très intenses. J'avoue, vers la fin j'ai fait un break. Coucou Blacky! Oh, je suis désolée Blacky, ça va aller, tu vas tenir? Il va tenir le choc ou pas? Il faut juste que je recharge ma page par contre. Si je loupe des messages, n'hésitez pas à les remettre. Pour le moment, je vois pas en dessous de Blacky. C'est normal, il n'y en a pas, on va me dire, mais. Pourquoi ma couille est instable? Oh, ma console elle va vraiment s'envoler, c'est ouf. Voilà, c'est bon. Ah bah non, bah. Tant pis, c'est pas bon encore. Oh, le bruit. Au début j'ai flippé parce que j'ai vu que genre versus en local. Ouais ok, mais ah ça veut dire qu'on peut jouer que en local, on peut pas partir en multi ça veut dire? Ou c'est parce que c'est pas d'ailleurs option audio volume de la musique, on va baisser la musique. Toujours baisser la musique un peu parce que c'est trop fort. Langue français, ok pas de soucis. Graphisme. Contour info du joueur. C'est quoi contour? Je ne sais pas, du coup je vais laisser comme ça. Ah super, ma page d'internet ne se charge plus. J'adore. J'adore. Je vais prendre le téléphone pour pas vous louper des messages. Sinon je vais être obligée de vous faire répéter. Mais c'est super quand ça marche bien, dis donc. Effectivement, ma co est peut-être instable pour ce soir. Pourtant, il n'y a pas d'orage, rien. Voilà, donc c'est j'ai récupéré mon chat, ma vue stream. Alors, est-ce que j'ai loupé des messages avant d'attaquer? Et après, je lance. Je sais pas, c'est dommage, j'avais une vidéo au début, elle se redéclenche pas, ça aurait été pas mal que vous puissiez la voir en complet. Puis je vais pas redémarrer le jeu exprès, hein. C'est Barlow. Ah, t'as dit que t'allais rester un peu. Cool, ça me fait plaisir. Après, je pense pas qu'il va durer plus d'une heure et demie le test, hein. C'est vraiment le temps de voir un peu tout. Allez, c'est go, tutorial. Quoi, je peux pas? Ah si. J'ai peur. Tuto. Bounty Battle. Oula. Salut Bisu, bienvenue dans la salle de contrôle. Je sais, vous avez hâte de plonger dans l'action, mais si je ne vous explique pas le fonctionnement du jeu, vous allez vous plaindre. Si, si. C'est pas faux. Je ferai vite, c'est promis. Bon, la première chose à voir, c'est l'interface. Appuyez sur la touche X pour continuer. Suivez la flèche, voici votre barre de vie. En bas à gauche, ok. Un petit avertissement clignote quand vous êtes sur le point de mourir. Plus votre personnage est proche de la mort, plus il présente de glitch.
Voici votre barre d'énergie, ok. Si vous n'avez plus d'énergie pour une action, un petit avertissement clignote au-dessus de votre tête. Vous pouvez consulter vos points de prime ici, Kezako. Éliminez votre adversaire pour obtenir des points de prime, d'accord? Les points de prime servent à déverrouiller des sbires qui combattent à vos côtés. Ah, mais aussi de puissantes attaques. Puissantes attaques. Quand vous avez assez de points de prime, la fenêtre des sbires apparaît. Appuyez sur le pad pour faire apparaître votre sbire, ce dernier combattra jusqu'à votre mort. Voici votre score. Bah, 0 pour le moment. Selon le mode de jeu sélectionné, il affiche le nombre de vies restantes ou le nombre de tués. Voici votre score de victoire, ok. Selon le mode de jeu sélectionné, vous pouvez décrocher une série de victoires pour prouver que ce n'était pas un coup de chance. Moi, j'aime bien, du moins. Former des combos. Enchaîner des combos pour obtenir davantage de combats davantage de points de prime, et vous risquez de perdre des points si vous abusez d'une action. Voici l'indicateur d'attaque ultime. Chaque héros a sa propre attaque ultime. Voici l'indicateur d'attaque spéciale. Chaque héros a une attaque spéciale unique. D'accord. Donc LCR2 apparemment. Passons enfin au sommet de l'écran. On y trouve le vainqueur actuel. Plus votre personnage y reste longtemps, mieux c'est. Vainquez un adversaire avec une prime élevée pour obtenir son bonus. C'est plutôt simple jusqu'ici, pas vrai? Ben j'arrive pas à savoir si c'est un beat'em all ou un smash, une sorte de Smash Bros. Quoi. On va voir de suite. Hein. Continuons. Utilisez les flèches. D'accord. Pour me déplacer. Essayez de vous déplacer à nouveau. Oui. Jusque là, ça va. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est son ultime. Ouais. Ah mince, j'ai bouffé toute mon énergie. Vous pouvez aussi effectuer un double saut lorsque vous êtes dans les airs, appuyez de nouveau sur la touche saut pour bénéficier d'un boost. Quelle légèreté. Dans Bounty Battle, vous ne pouvez... Ah, oh, c'est passé trop vite. Ah, oh, j'ai pas lu. Ah bah oui, parce que j'étais en train de sautiller, et sautiller c'est la touche X, du coup j'ai loupé. Bon bah, je peux pas bloquer les attaques, il dit. Je peux faire un bouclier, c'est ça? Vous pouvez vous rendre invincible pendant une courte durée en appuyant... Oh purée. Ça passe trop vite. J'ai pas le temps de voir. Ah, du coup, ouais, j'ai spammé, alors... Ouais. Essayez de vous déplacer en esquivant. Ok. Ah, donc si je veux me défendre, c'est rond, quoi. C'est ça, la téléportation est particulièrement utile pour vous placer derrière l'ennemi. Tous les mouvements d'esquive consomment de l'énergie. Essayons maintenant d'esquiver une attaque pour la démonstration. Salut, killer! Ça va et toi? Ça déclenche un petit effet visuel cool, pas vrai? Bon, passons aux attaques. Attaquez votre ennemi en appuyant sur carré. Ah, mais ça passe trop vite! Vous pouvez également... Bah, du coup, je sais pas ce qu'il a mis. Ils veulent que je fasse carré et triangle, mais carré et triangle, c'est vachement pas pratique. Encore une chose, bien évidemment, vous pouvez aussi attaquer lorsque vous êtes dans les airs. Fracasser votre adversaire dans les airs, appuyez sur... Oula, ça doit piquer, ok. Vous pouvez aussi raser une attaque chargée. Ah, mais c'est horrible, les messages ils passent trop vite du didacticiel. Les attaques carrées ne coûtent pas d'énergie, encore heureux. Attention, évitez le spam, vous perdrez des points de prime. Tentons des attaques puissantes. Les attaques puissantes utilisent triangle, toutes les attaques puissantes consomment de l'énergie et le message est encore passé trop vite, c'est génial. Évidemment, vous pouvez aussi réaliser des attaques puissantes dans les airs. Pour lancer une attaque puissante plongeante, appuyez sur... Génial. Elle était pas... Elle était c'est plongeant ça? Ah bah non, ça c'est plongeant. Les attaques spéciales sont faciles, appuyez sur... Ah ça c'est naze. Ouais, pour le moment c'est pas probant. Hein. Vous pouvez lancer des attaques ultimes en... Ah, c'est chiant ça! Le didacticiel qui passe les messages trop vite, c'est horrible. Merveilleux. Oh, j'allais oublier, parce que vous êtes proche de votre adversaire, vous pouvez l'empoigner. Ouais, super, ok. J'ai pas d'adversaire. N'oubliez pas que vous avez aussi cette possibilité dans les airs. C'est tout pour les commandes. Les commandes sont les mêmes pour tous les héros, mais ils ont chacun leurs propres attaques. Amusez-vous à les découvrir. Ouais, bah j'aurais bien aimé pouvoir lire tous les textes en fait. Bon, avant de passer au combat, passons en revue quelques indicateurs. Vous voyez cette icône sur vous, elle indique que votre adversaire essaie de vous empoigner. Ok. Cet indicateur s'affiche. Là, pour une fois, je peux les passer moi-même, les messages, donc au moins, ça va à mon rythme. Cet indicateur s'affiche lorsque vous parvenez à y échapper. C'est pareil pour d'autres statuts, comme l'étourdissement, l'immobilisation, le glitch ou la confusion. Ouvrez l'œil. Mais non, mais le tuto, il me troll, c'est abusé. On est d'accord, c'est chiant. Coucou, Zouk. Parfois, vous verrez cet indicateur. Il signifie que votre adversaire ne peut pas vous renverser et que vous garderez donc l'équilibre à moins qu'il vous empoigne.
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, différents mouvements permettent d'esquiver. Cet indicateur s'affiche lorsque vous réussissez à esquiver une attaque. Il est moche un peu le didacticiel d'ailleurs. Le monstre du didacticiel. Il est possible que vous et votre adversaire frappiez en même temps. Dans ce cas, ceci s'affiche et vous êtes séparés. Ceci s'affiche lorsque vous attirez un adversaire. Quand on attire un adversaire. Passons maintenant à l'entraînement. Infligez un maximum de dégâts à cette IA. Ensuite, vous pourrez enfin passer à la compétition. C'est parti. C'est qu'elle bouge. Attends, y'a rien en bas. Elle m'a fait... Ah. Bon, apparemment, je l'ai tué. J'ai pas eu besoin de faire grand chose, mais je l'ai tué. Il veut vraiment... Ah non, d'accord, c'est soit versus, soit local. Ah non, on a que du versus local. Pourquoi il m'envoie sur le versus, le menu? Bah oui, non, non. M'intéresse pas, ça. Alors par contre, ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas l'air d'avoir de versus en multi. Ça veut dire... ça veut dire choqué. Il n'y a pas l'air de versus multi, ce qui est dommage pour un jeu PS4. Je vais me le noter, tiens, vu que c'est un test après tout. Sauf si c'est débloqué après, je ne sais pas, mais je vais regarder. Ah oui, des fois je fais des petites pauses pour noter des choses. J'essaye que ça dure pas trop longtemps. Pas de combat en multi online. Enfin, ça se prête peut-être pas, hein, mais. Ben, j'ai pas l'impression. Tu vois, quand je vais dans Versus, j'ai juste local. Alors peut-être que ça se débloque en jouant, mais je suis pas sûre. Donc je vais aller en tournoi. Vous devez finir chaque combat sans mourir pour déverrouiller de nouvelles apparences. Ok, s'ils veulent. Alors il n'y a pas de niveau de difficulté. Quand je choisis pas facile, moyen, difficile. Anéantissez votre adversaire pour gagner. Ok. Comment c'est? Donc c'est pas un Smash Bros dans le style, c'est J'arrive pas encore à déterminer quel style de jeu c'est, à vrai dire. C'est quoi l'alerte? Ah, j'ai plus d'énergie. Et comment je me fais de l'énergie? On va pas comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. R1. Pourquoi il me demande de faire R1? Est-ce qu'il m'a pécho dans un coin, lui? Comment je m'enfuis? Il me l'a sans doute expliqué dans le didacticiel qui a déconné. Enfin, je pense. Il est moche, le monstre. Aïe. C'est un peu pété pour moi. Alors, attends. Ah, il faut que je bloque. Parce que forcément, là, je vais mourir. Enfin, si ça continue comme ça, je vais mourir. J'ai mis un piège par terre, d'accord. Là, je viens de déclencher le piège, ok. Là, je fais une attaque du dessus. Oh non, il m'a tué. C'est jusqu'à 4 joueurs max, ça parle pas de mode online. Ouais, alors attends. Ah bah, je repop si je meurs. Je me note pas de notion de difficulté. Hop, reprendre. Pourquoi des fois j'ai R1 qui apparaît? Ah, c'est quand il essaye de me choper, du coup c'est pour bloquer sa chope. J'imagine. Moi, bon, il m'a fait lui 2 vies pour le tuer. Bien joué. Par contre, on n'a pas le choix du perso encore pour le moment. Ah, ça y est, donc là j'avais un gros monstre et je passe sur 4 gros monstres. Enfin, 4 personnes en tout. Ah, là on a le nom des jeux en dessous. Donc elle, la perso là, c'est un perso de Bounty Battle. Quoi, je me tape 3 personnes contre moi là? C'est quoi ces bêtises? Comment ils veulent que je fasse ça, moi? J'ai plus sauté. Voilà, c'est bon, je fais sauter de nouveau. Donc là, oui, ça c'est plus, ça ressemble plus à un Smash Bros, là, maintenant. Ah oui, j'ai des sbires, normalement, c'est vrai, je peux acheter des sbires. Enfin, si j'ai assez d'habitude, mais je suis pas sûr. Ils sont où, mes sbires? Est-ce que j'ai des sbires, là? C'est à moi, les petits squelettes, ou pas? Je comprends pas. Quoi?
Je les ai tués là? Ah non, je suis morte. Game over. J'ai rien vu. Azel versus Ruzader. Harry Lazarus. Score atteint de 10. Anéantissez tous les ennemis. Ok. 3, 2, 1, fire. Il me croit vraiment capable de faire ça là déjà? Il m'a gelé. Je suis gelé. Il croit vraiment que je suis capable. Quoi, c'est ça qui me dérange, c'est le fait que voilà, le didacticiel est très court. Pas forcément bien expliqué. Et après on nous le claque un peu genre débrouillez-vous. Là j'appelais sbire là, voilà, c'est ça, c'est ce qui me suit le sbire. Non, allez, pas tourné dans le bon sens. Et puis j'ai plus de vie. Pourquoi elle attaque pas la sbire? Ah oui, non, faut que j'en tue 10, ok, d'accord. Ah, sauf que là, je suis quasiment morte. Là, je suis en train de me demander où est-ce qu'était passée la musique. Là, j'en ai shooté 8. Mais ma vie, elle est pitoyable. Et je suis morte. Donc, je vais avoir à réessayer, ou c'est quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi elle attaque pas ma sbire? Pourquoi elle est juste au-dessus de moi et puis voilà, c'est tout. Pourquoi? Ah là, je me suis shooté en l'air, ok. Oh, pour... oh là, ma vie. Alors j'ai réussi à en buter de 8 sur 10 en une seule fois et là. J'y arrive plus. Mouais. Continuez. Puis pareil, j'ai pas fait gaffe ou j'ai pas eu de choix de perso? J'ai un doute. Ah, c'était plus joli sur les images que j'ai vu les extraits de jeu. Je sais pas comment ça se fait. Parce que là, les environnements, ils sont pas très jolis. Hein. Enfin, dans le trailer, on est d'accord que c'était pas comme ça, hein. On nous aurait menti? Comment se fait-ce? Pourquoi je me relève pas? Pourquoi elle est tombée? Alors que j'étais au bout de la map. Ça c'est défense, oui. Je suis pas très à l'aise sur cette map. Ah, c'est qu'il se défend, il me renvoie mes coups. Là j'ai mis un piège parce que du coup je suis une archère donc ça bloque les gens, ok. Il est comme brun. Donc là je suis en train de le prendre dans un coin. Mais il va se défendre à un moment donné. Hein. Ah la musique c'est pas part. Ah la musique elle est pas terrible. Qu'est-ce qui m'a tué là? Donc ouais ça me dit que la boîte qu'on est en train de... Voilà et c'est le nouveau vainqueur, je sais pas quoi, c'est le nouveau... C'est l'homme à abattre. Puis maintenant. Bien joué, oui, si tu le dis. Alors, Pankapu et Guacamele. Si vous connaissez les jeux, vous me dites. Hein. Parce que Pankapu, je connais pas. Guacamele, je connais pas. Débarrassez-vous des joueurs. Ah là là, cette map-là, elle est pas terrible non plus. 3, 2, 1, fire. Ah, je me suis fait choper. C'est vrai que j'ai des chopes, je te chope pas depuis tout à l'heure. Je sais plus si. Ah bah, je me suis fait virer de la zone, ok, super. Donc, ça, c'est effectivement Smash Bros. Sauf que, en fait, Smash Bros, c'est un moyen de revenir. Pourquoi il y a des poulets par terre? Et je vais venir par retomber encore. Ah, quand tu te fais maîtrise par tout le monde, c'est un peu énervant. J'avoue. Gratos. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ça passe comment au niveau qualité? Il y a un poulet qui s'est barré. Ok, tombé. Je sais même pas pourquoi il y a des poulets d'ailleurs.
On n'a pas trop le temps de voir les signes qu'il y a autour du perso, hein. Genre si c'est spirale, si c'est machin, si... C'est compliqué d'appliquer ça, pour le coup. Moi, je me suis fait pourrir. Putain, ils sont deux en face de moi. Bon, au moins, c'est ça l'avantage, c'est que quand le jeu est pas très lourd, au moins la qualité est pas dégueu. Hazel versus Ben Gabu. 3, 2, 1, fire! Au moins que je finisse un tournoi, ce serait bien. Donc pour l'instant, j'ai 0 points. Hein. Oh là là là. Je vais éjecter direct. Oh, les animations, c'est une cata. C'est lent. Oh là là là. C'est super lent. Pour un jeu de combat, c'est triste du coup. Oh là 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 là. Non, vous ne pourrez pas tomber. Pareil, le combo triangle carré là, c'est pas possible en fait. Carré triangle, je sais pas si vous voyez une manette PS4, mais c'est pas du tout. En général, quand tu veux faire combo, tu fais carré croix. Je vais tomber toute seule. Mais carré triangle, non. Ou triangle rond. Ah, ça j'aime bien le fait qu'ils aient pris des persos indépendants. Après. Pour le moment, c'est un peu, je suis un peu dubitatif. Déjà, par rapport aux musiques. Après, j'ai baissé la musique exprès, mais pour le moment, c'est un peu musique façon rétro. Hein, c'est peut-être un choix. Est-ce qu'il est parti tomber tout seul l'autre là-bas? Oui. Vas-y, prends-toi dans le piège. Non, elle va me charger la tronche. Et il est dur en fait. Enfin, il est pas facile. Après, je suis pas la reine des jeux de combat, mais donc, je disais ouais, triangle carré, c'est pas possible en fait, c'est une horreur à aller chercher. Alors faut le temps que je me fasse à ma Valkyrie, mais bon. Je peux prendre des... je peux embaucher du monde là. Oh, les sbires là qui servent à rien, lol. J'arrive pas à en tuer un seul. Je vais rester bloqué sur ce mode là, ça va être sympa. Réessayer pour la énième fois. Enfin, au moins qu'il m'aide un. Mais je vais repartir au menu et je vais regarder si. S'il y avait un choix dans la difficulté, parce que là c'est au-dessus de mes moyens là. C'est pas ce que je fais absolument pas. Est-ce qu'elle me maîtrise? Pourquoi j'ai une tête de mort sur la tête? Ouf, je suis entre les deux là, je suis en sandwich, c'est génial. Après, le problème, c'est que le didacticiel, la moitié des messages, je les ai loupés. Parce qu'il nous passait les messages, ça c'était magnifique. Se faire troller par le didacticiel, je trouve ça génial. Bon, on va quitter le tournoi, on va voir. Pourquoi je revis là? Pourquoi j'ai pas fait un réessayer? Enfin, pourquoi j'ai pas eu l'occasion de choisir entre quitter et réessayer? Wow, allez, je suis viré. Quitter. Oui, on va aller voir plus loin. Les bugs à l'écran, les bugs d'affichage. Je suis pas sûr que ce soit un choix, hein, les bugs d'affichage à l'écran. Je suis pas sûr que ce soit un choix artistique. Il y a des barres vertes qui apparaissent des fois. Donc on va refaire la même manip. On va faire tournoi. Après, il y a salle d'entraînement, effectivement, mais bon. Tournoi. Et il y a 30 tournois, apparemment. Mais il n'y a pas de niveau de difficulté. Ah, c'est le jeu. Non, 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 les barres vertes, c'est pas le stream hein, qui fait ça. Les barres vertes sont fait partie du jeu.
C'est pour ça que ça m'étonne. Justement, je me demandais, tiens, c'était quoi ces barres vertes des fois? Est-ce que c'était des barres de chargement? Est-ce que c'était... Non, non. Elles apparaissent un peu à l'arrache. En salle d'entraînement, par contre. Ça, oui, non, ça c'est pas moi, ça c'est pas mon stream. Oh! Oula. C'est pas... C'est une cata... Enfin... C'est pas beau en bas, là? Comment qui s'est passé? J'envoie tous les persos. C'est l'occasion d'aller voir tous les persos du coup. Il y a tellement de petits jeux que je connais pas encore. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah, Jotun. Ça, ça me dit quelque chose, Jotun. Dokoroko, Death Gambit, Axiom, Darkest Dungeon. Ouais, vous voyez les barres là qui clignotent en bas là, enfin, partout d'ailleurs. Ce n'est pas mon, mon stream, hein. Le stream n'a jamais fait ça. Ah, elle, je la préfère déjà plus. Mais elle se bat pas l'autre? Ah non, c'est une salle d'entraînement. Elle, son triangle, ça doit être sa charge. Là, parce que toute la partie attaque chargée, le problème c'est que le message sautait, donc j'ai dû louper des choses, je pense. J'ai plus d'énergie. Du coup, j'enchaîne. Là, j'ai acheté un sbire. On va voir s'il fait des choses. Je dois pas savoir utiliser mon sbire parce qu'il ne fait rien. Il fait rien, le sbire, on est d'accord? Là, je suis en salle d'entraînement. Pourquoi il me met des flèches vers le haut des fois? Je comprends pas. Ok, elle se donne de. Ah, elle se soigne, elle, c'est pas mal. Ça, moi, c'est cool. Mais bon, faut pas trop que je m'entraîne avec. Mais bon, ça... Oh là là, les lags. En salle d'entraînement, c'est mignon, mais il faudrait qu'il m'attaque. Wow, wow. Putain, il y a tout un défi, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que ça saute? Oh. C'est quoi le mode défi? Et qui prend, bah tiens, on va prendre le Jotun. Validé. Jotun contre un perso de Bounty Battle. Ah oui, non, j'ai pas appuyé sur le start. Donc lui il va se défendre, hein. Ouh, c'est lourd. Ouh là là, il est lourd, il est lourd. Ouh, il est lent. J'ai des signes qui m'apparaissent dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai un signe de mort sur moi, mais pourquoi, je ne sais pas. Donc ouais, je disais carré triangle pour aller chercher une grosse attaque, c'est juste trop compliqué. Là je l'enchaîne, mais à mon avis ça va pas durer longtemps. Ça c'est joli comme attaque par exemple. Ah, les maps c'est pas... Bien joué, continuez. Battle Chaser Night War. Je sais pas avec quoi il a été programmé le jeu, mais il a des gros soucis hein, d'apparence. Hein.
Après, qu'est-ce qui me dit que c'est pas fait exprès? Ça le problème? Non. Là, c'est vraiment des gros bugs. Pourquoi il a ça au-dessus là? Oh là, elle est en train de me lancer un caillou, tout va bien. C'est peut-être juste que la Valkyrie elle est pourrie. Hein. Je peux pas changer de perso vraiment. Spammer. Ah, j'ai spammé apparemment. Alors t'as pas le droit de spammer quoi. J'ai du mal à aller chercher le triangle. Bon, je sais pas d'où il vient, la sortie ça lui. Je saute pas assez peut-être. Il est allé chercher une nana là qui est apparue, je ne sais pas comment. Après je peux faire start et j'ai la 10 de coups ou pas? Attaque aérienne, téléportation, empoignement, ouais, pas vraiment quoi. Elle va pas me laisser faire son la grosse attaque. Elle m'a pris dans le coin! Pas cool! Ouais, donc l'idée de base est pas mal, la réalisation est plus compliquée, on va dire. Il y a eu quelques soucis à la réalisation. Ah, c'est cette attaque-là que j'aime bien. Voilà, bon, ça se passe mieux que Jotun, mais après je suis en mode défi. Blocks that matter. Ils ont peut-être voulu faire une barre de chargement en bas et elle a pas fonctionné. Hein. Peut-être, hein, je me demande. J'essaye de comprendre. Quand il est lent. Ah, image-les. Ah, c'est des gars, encore des cubes de glace. TNT, TNT, non, pas bonne idée. Je suis étourdi, j'imagine. Coucou Lan! Je vais me faire pourrir par le petit cube. Comment on va? Vous en pensez quoi pour le moment, vous? Ah, il m'a chopé. Ça c'est trop lent, ça c'est trop lent, beaucoup trop lent. Il sait quoi, il s'est défendu? Ouais, ouais. Fatigué, mince, grosse journée. Ah, la musique c'est pas ça non plus. Oh là là. On va attendre que la TNT pète, hein, parce que ça sert à rien de se jeter dessus. Ah, elle me se fait avoir. Oh, genre. En une attaque, il me retire toute ma vie, quoi. C'est moi qui ai gagné là, vraiment? Bah non, je me disais bien aussi. Ah, la chaleur, d'accord. Il est pas fini ce jeu, c'est bizarre. 3, 2, 1, fire. Justement, je me plaignais le genre d'avoir que des jeux, deux jeux bien. Enfin, je me plaignais. Entre guillemets. Je me disais que j'avais de la chance d'avoir que des jeux bien. Ah, t'es fou. Là, ça va me faire travailler différemment, on va dire. C'est pas que des côtés. Oh là là, que des côtés négatifs, mais. Niveau jouabilité, c'est pas ça. Parce que le but, c'est quand même de s'amuser dans un jeu, globalement. Si tu rages la moitié du temps, bon. On va essayer de refaire le mode tournoi. Peut-être que maintenant que je connais mieux les touches, ça ira mieux. Oh là, le TNT dans ma face. Pourquoi il bougeait pas là? Ah, je me suis fait avoir encore. Mais non, mais genre, il va encore me tuer avec cette attaque là là. Il est vraiment sérieux. Par contre, là, il y a. Des fois, quand sur votre sur le perso, vous voyez des petits carrés noirs et blancs. Ça, c'est pas un bug d'affichage, c'est des glitches qu'ils mettent parce que le perso il est en train de mourir et du coup il est en train de disparaître. Mais là, ce que vous voyez en bas de l'écran, là, ça c'est pas normal. On est. Clairement. C'est ça, ouais, un viking qui moleste un lave-linge. Et là, on moleste. En fait, c'est des personnages jeux indés qui ont été pris bah, ensemble et qui. Bah, dans une sorte de jeu de combat à la Smash Bros. Un peu à la Smash Bros.
Et avec des notions différentes, genre des sbires. Ouais, mais genre il me fait suer lui. J'ai de la chance là. Le coup aurait jamais dû toucher. Enfin, ça aurait jamais dû toucher. Après, je peux spammer aussi. Et je crois que le spam, ils apprécient pas trop le spam ce jeu. Si j'ai bien compris. Ouais, j'ai pas de points de prime là. Comment on obtient des points de prime? Faut que je rebosse là-dessus. Parce qu'en fait, c'est grâce aux points de prime que j'embauche des sbires. Des sbires qui servent à rien, vous savez, les sbires qui me regardent jouer. Que j'ai pas vu attaquer encore une seule fois. Oh, il va me saouler lui! Il m'a gelé. Il m'a gelé, il m'empêche de. Je l'avais bien enchaîné jusque-là et là il me bloque. Il me bloque toutes mes attaques. En même temps, ce temps de chargement de la mort! J'ai gagné ou j'ai perdu là? J'ai gagné. Je sais pas jusqu'où ça va le défi. Parce que là je suis en mode défi. Je sais pas du tout quand ça s'arrête. Ce qui m'inquiète c'est que je suis toujours à 0 points de victoire. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de victoire. Enfin je fais pas de points de victoire. Pourtant je moleste hein, je fais ce qu'on me demande. Je me fight. J'essaye. Alors pourquoi... Ah je sais pourquoi le tournoi ils mettent 1 sur 30, c'est parce qu'il y a 30 persos. Ça doit être ça. Le truc c'est que là j'ai que le premier perso qui est dispo. Coucou Doki, comment on va? Ça va le taf? Ah bah non, si on est mardi. C'est-à-dire tu taffes pas mais si. Donc voilà, je peux imaginer que ce que je vois à la droite, c'est le sbire de personnage. C'est-à-dire que lui il a le droit à des sbires et moi que dalle. Enfin il a le droit à des sbires qui attaquent surtout. C'est ça ce que je suis en train de voir là. Pourquoi j'ai plus de vie? Pourquoi j'ai plus de vie? Ah, je suis mouru. Ah, tu viens de finir! Oh, bah ça va, t'as fini toi aujourd'hui, c'est cool! Bonne nouvelle! Bah, je vais voir, j'essaie de finir le mode défi un peu là. Mince. J'aimerais bien. En fait, le problème, c'est que pour le moment, on a vu 3 ou 4 maps différentes, je crois. Pas énorme. Apparemment, ils aiment bien nous la claquer, celle-ci, là, la map bande d'arcade, mais. Perso, je la trouve pas excessivement belle. Ça va passer ça? Ouais, c'est bon. Pourquoi? Je n'ai plus le point d'un coup. Comment je chope les points de prime là? Ce qui me dit pas comment on fait. Si, faut que je passe le triangle pour avoir des points de prime. Donc pareil, ce que je disais, le carré triangle, c'est juste pas possible. Ça, c'était une mauvaise idée. C'est quand on connaît les manettes PS4, non, en fait. C'est juste trop chiant à aller chercher. Si, les combos qu'on retrouve souvent, voilà, c'est triangle rond et carré croix, mais pas carré triangle. Bon, si j'arrive pas à le repasser, je repars en tournoi, là. Est-ce que j'ai fini HZD? Non! Horizon Zero Dawn, je l'ai pas encore terminé. Par contre, j'ai terminé le DLC. Et normalement, la fin d'Horizon Zero Dawn devrait arriver bah, dimanche, là. C'est-à-dire qu'il me reste 2 semaines pour sortir ma fin de cash. Hein. Donc, à mon avis, il va falloir absolument que je fasse du montage, à un moment donné. Genre, demain, ce serait bien. Je crois que j'arriverai pas à le passer. Lui. Mais par contre, on s'est bien éclaté sur le Live Horizon. On a passé un bon moment sur le Frozen Wild. J'ai bien cru que le boss n'allait pas passer, vraiment. Et que j'allais devoir le refaire. Comment je chope la prime en haut? Parce que là, il écrit Wanted. 65, Wanted, point d'interrogation, 65, 70. Il y a des points de battle, de battle qui se mettent en haut, mais je ne sais pas comment on va. En même temps, si j'esquive jamais. Ouais, il me démonte, lui. Ben, on va changer, hein. Je suis pas sûr que les hitbox soient terribles, je suis d'accord. Non, mais ouais, il a pas été. Oh, regarde, là, alors ça c'est magique. Parce que du coup. Ah ouais, alors le petit truc c'est versus que en local. Pas de versus online, c'est dommage. Ça doit coûter cher forcément, mais bon.
le tutoriel qui m'a trollé. Voilà ce que je fais. Quand je fais L1 et R1, il m'accepte pas. Il veut pas me faire changer de... Il faut que je finisse avec elle, apparemment. On va recommencer du début, ça me fait du bien. Oh. Hazel versus Tyrant. Bon, bah, je pense que je vais pas perdre énormément de temps avec ce jeu. Donc ça c'est de l'esquive, voilà, elle... Oh, elle est pétée du cul, elle... Elle sert à rien. Et puis ben, je vous appellerai hein, le jour où je réussirai à faire des points de victoire. Ils sortent. Oh là 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 là. C'est compliqué. Oh là là, je me suis pris un rayon dans la face. Alors des fois il y a des temps, des points de trucs chargement au-dessus de la tête, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je sais un peu plus esquiver, donc j'ai réussi, là. Ah, je me suis amélioré déjà. C'est déjà ça. J'ai cru que j'avais perdu, en vrai. Donc là, normalement, j'ai un nouveau skin. Oh là là. On peut voir ça comme ça. Ah ouais, pour info, oui, je t'ai dit, là, ce sont des personnages de jeu indé qui ont été réunis dans ce petit jeu-là. Pour de la fight, pur et dur. Oh là là, oh là là, c'est quoi ce lac de la mort là? Pourquoi? Ah oui, c'est quand ils me remettent des. Ah, je peux acheter. Oh, mais c'est quoi? Là, je peux acheter un sbire. Mais c'est plus la même personne qui a pris la manette. Et le sbire il fait rien. Alors, j'ai dû louper un truc, je sais pas, mais mon sbire ne fout rien. Littéralement. Elle est au-dessus, elle me regarde. C'est génial. Pourquoi tu attaques pas? Tu m'expliques pourquoi tu... Oh là là, les lags. La fluidité. C'est pas un problème de mon stream, hein, je vous le dis. Ces petits lags magnifiques quand des personnages arrivent, c'est comme au-delà du réel, c'est n'essayez pas de régler votre écran. Oh là 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 là. Pourquoi elle parle pas dans le bon sens? Ah, je suis en confusion. Pourquoi elle fait rien, ma sbire? Ça devrait être un avantage au combat, elle fout rien. Faudra qu'on m'explique. Je suis morte? Ah mince, bah, j'aurais pas maintenu de ce truc là. Alors les musiques, je crois qu'il y en a 2-3 différentes pour le moment. Je n'ai pas entendu beaucoup de différentes. Ce qui est révélateur en général. On va rappeler les sbires qui servent à rien? Ouais, on va rappeler les sbires qui servent à rien. Alors j'ai peut-être pas la bonne touche hein, pour utiliser les sbires, hein, je sais pas, hein, c'est peut-être moi, hein, je vais refaire le tutoriel. En lisant suffisamment vite cette fois. Parce que cette map, je suis désolée de le dire, j'aime pas hein, casser les jeux, mais c'est moche. C'est moche quoi. Quelle idée? Je vois pas le... Pourquoi? Ah, c'est peut-être le monde du lave-linge là qui est comme ça. Hein. C'est peut-être une inspiration du monde du lave-linge. Je suis en train de spammer, du coup ça va pas plaire au jeu ça. Pourquoi je suis tombée tout seul là-haut comme une teubée? Faut m'expliquer là. Je suis pas si bien en fait au niveau vie. Hein. Encore eux, je prends pas mes propres pièges. Pourquoi j'ai brûlé là? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pas vu venir. Mais ah, c'est. Ça pique quoi, ça fait mal aux yeux. Pourquoi ça rebondit sur sa coque ou quoi? C'est quoi? Pourquoi j'ai pris cher là? Pourquoi j'ai pris un dégât? La musique. Bref, faudrait que je vois hein, si je dis que ce sont des musiques qui posent souci et que en fait ce sont les musiques du jeu original. C'est pas à cause de Bouncy quoi. Faudrait que je vois le jeu lave-linge. Hein. De quoi il vient et puis voir des let's play sur le. Oh, d'à boire. Ouais, allez, un petit coup de flotte.
Ah, il a un peu pété, ouais. J'ai l'impression qu'il a un peu pété, ouais. Donc là, c'est sûr que je vais pas... je vais pas vous le vendre, hein. Hazel versus Pinkaboo. Alors, Pinkaboo, je connais pas. J'ai un des Guacamele, je connais pas. J'ai pas réussi à les battre encore, hein, pour info. Ah, ça se trouve, c'est peut-être un bug, hein, les faits que les sbires attaquent pas. Oh là, ils sont deux sur moi, c'est pas juste, quoi. C'est un gangbang, le truc. J'aimerais bien tuer au moins un, parce que tout à l'heure, j'avais pas réussi à en tuer un. C'est peut-être normal. Il me pose gros soucis. Après, je suis une Valkyrie, moi, je suis à distance. Normalement, il faut que je leur saute par-dessus. Si j'ai bien compris. Ah, il m'a chopé. Ouah, ils m'ont sorti. Bizarre, moi, j'arrive jamais à les sortir. Ah oui, alors apparemment on peut charger des attaques, mais le souci c'est que ce passage-là du didacticiel, je l'ai complètement loupé. Ah ouais, on peut charger des attaques, quoi. Enfin, le temps qu'il charge, tu te prends plein la gueule. Allez, je me suis fait revirer, c'est génial. Mais c'est magique. Ah, je suis désolé de le dire, mais c'est pas beau, quoi. Hazel versus Pinkaboo War. C'est vraiment pas beau. Alors, ce que vous voyez en fond d'écran là-bas, là, c'est la vidéo de l'intro. Alors, le problème, c'est que je vais être coincé si j'arrive pas. Pff, allez, je suis viré direct, c'est génial. En gros, si j'arrive pas à vous montrer le tournoi sur les autres persos, il y aura toujours le mode défi, quoi. Non, mais il m'a ressorti direct, sérieusement. Il est sérieux, le jeu. Je voudrais bien faire le tournoi sur les autres persos, mais si j'arrive pas à passer elle, apparemment j'accède pas aux autres. Donc c'est pas bon. Après, on dit que c'est pas les graphismes qui font un jeu, hein. Mais voilà, quoi. Je me fais shooter encore. J'arrive à rien contre lui. Si je les spam, non, il aime pas le spam, donc je vais me faire. Allez, c'est Guacamele, il me renvoie tout le temps dehors, ras-le-bol. Je peux pas lui faire la même, moi. Ouais, trop courte. Ah oui, alors je peux acheter ma sbire, c'est génial. Voilà, voilà, la sbire déco. Vous me dites si vous la voyez attaquer, hein, ça m'intéresse. Hein. Pour le moment, j'ai pas vu attaquer, mais peut-être qu'elle va se motiver un jour. Non, mais Guacamele me fout un seul coup de pied, il me jarte. Et puis moi, que dalle, quoi. Wouh! Pourquoi il m'a chopé? Et puis c'est même pas de la protection, parce qu'elle prend pas les coups pour moi, donc moi pas comprendre. Moi pas comprendre ce que toi, le jeu, veut me dire. Avec tes sbires, là. Comment je fais tomber la foudre là, comme j'ai fait tout à l'heure? Oh là là là, pété. Oh, elle y va en mode baston, quoi. C'est quand t'as fait les coups de pied. Non! Je me suis sortie toute seule. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a originalité et pas d'effort. Ouais. Je me suis fait sortir. Voilà, je suis pas sûr que la qualité soit au. Bon, lui, il est tombé tout seul, l'idiot, quoi. Ah oui, alors les lags, magnifique, lag. Lui, il est tombé aussi, oh là là. Ce magnifique ralenti quand il y a un joueur qui débarque. J'ai pas spammé là, d'où? Je vais me faire sortir. Là, j'ai spammé carré par contre. Après, on peut pas toujours gagner, hein, au choix des jeux, enfin, quand on choisit nos jeux, enfin, quand on tombe sur des jeux à tester. Pas toujours, putain, il est sorti.
J'en ai eu 2 sur 10, plus que 8, hein. Si, presque. Lol. Non, mais le temps d'aller chercher le carré triangle, c'est... Je suis pas sûr qu'il va faire grand bruit, ce jeu. Malheureusement. Allez, pff, je me suis fait sortir. Ah, sauf qu'en fait, Smash Bros, quand tu te faisais éjecter, c'est parce que ta jauge de... T'avais une jauge qui se remplissait, et tu savais pourquoi tu te faisais éjecter d'un coup, quoi. Là, tu te fais éjecter gratos, en fait. Bon, j'ai mis 2 pièges, apparemment. Je sais pas pourquoi il y a des poulets sur la map. Et je sais pas pourquoi il y a une araignée sur la map, bizarre. L'air d'être un sbire, du coup. Moi, je peux appeler un sbire aussi. Je me suis fait cramer la tronche. Je voulais le faire tomber, mais j'ai pas réussi. Là, je spam, j'avoue. Là, je mets plein de pièges. On va voir ce que ça fait. Y a pas d'autres animations pour les shops, là, parce que... Pas terrible. Je suis pas sûr que ce soit du beau jeu. Là, j'ai fait une attaque chargée. Ah, mais en fait, ils ont pas de vie. Faut que je les éjecte. J'ai pas le choix. Je viens de remarquer qu'ils avaient pas de vie. Purée. Il faut juste éjecter sur ce mode-là. Purée. D'accord, je comprends mieux. Bah, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr. Je leur avais demandé la config qu'il fallait pour le faire tourner. Il faut un PC pour ça. Et donc ce qui sort que sur PC, hein, il sort sur Steam, le Donjon de Nullbuck. Mais j'adore cette franchise, Donjon de Nullbuck, j'en suis fan depuis toute petite. Donc le fait que c'est le premier jeu vidéo de Donjon de Nullbuck qui sort. Oh non, ils m'ont remis à zéro. Ah, génial, super. On va aller faire un tournoi avec un autre perso, hein, parce que là, ras le bol. Je ferai ça en dehors. Il m'a remis à zéro. Ah ouais, non, franchement. Enfin, j'ai pas pu faire la démo, malheureusement. Mais moi, je sais que mon PC, là, je suis vraiment pas sûr qu'il tourne, qu'il tournera. Donc, c'est dommage. Oh là là, non, mais sérieux. Il y a un vrai problème de programmation sur ce jeu. Je vais peut-être faire qu'une heure, finalement. Je vais aller en défi avec le personnage que j'aimais bien, là. Elle, là. Mince, pourquoi? Mince. J'avais le cordon pris. Elle, je l'aime bien. C'est quoi le nom du jeu? Eitir? Eitre? Je sais pas. Eitre. E-I-T-R? Code bon. J'ai Doc pour ton level up. Est-ce que t'as rattrapé Blacky? Va falloir que je réétudie ce petit système de primes là. Après, il m'a cramé direct, génial. Nickel, qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Elle met un bouclier qui gèle apparemment. Là, c'est du cac. Il maîtrise l'autre. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Wow, ça va être compliqué, hein, ce jeu à tester. Ça va pas passer une bonne semaine, moi, je le sens. Vas-y, viens taper, voilà, tu te fais geler. Donc là, j'essaie de l'enchaîner de suite. Wow. Là, j'ai essayé le triangle... Ah oui, elle se guérit ou pas, c'est quoi? C'est du boost ou c'est de la guérison qu'elle se fait? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai défoncé à coup de pied. Je regarde sur internet. E-I-T-R, je crois. Itre. Eitre. E-I-T-R. J'avais tapé ça dans Google, je me demande ce que tu trouves. Ah ouais, petit jeu Steam. Qui raconte quoi? Un action RPG. Avec un peu de mythologie. Ok. Ensuite, Battle Chasers Night War. Bon, je crois que je vais le dire.
Il a été programmé avec le fion. J'aimerais bien voir d'autres maps en fait. Parce que je crois qu'on a vu 3-4 maps seulement. J'ai pas vu les maps du trailer en extérieur, jolies, colorées et tout et tout. Là je vois que des trucs sombres, cavernes. Pourquoi? Pourquoi en fait on se tape toutes les zones sombres et cavernes? Alors je vais peut-être essayer de. Hop là, de tester après un personnage tout mignon. Peut-être qu'on aura des maps mignonnes, je sais pas. J'inspire. Ah, je me fais pourrir là. Vas-y, viens m'attaquer! Ah si, je l'ai, c'est mince. J'avais pas vu que je l'avais gelé. Peut-être que le perso de base qui nous donne, il est pourri, hein. Ça pixelise, là. Mince. Mince. Pourtant, j'ai rien touché à Mako. Ah, j'ai fait une recherche Google, c'est quand même pas ça qui a pourri le truc, quoi. Ah, puis c'est pas seulement l'aspect graphique, c'est la musique aussi, quoi. Puis on se tape les mêmes trucs depuis tout à l'heure. Oh, j'en peux plus de ce lave-linge. Vraiment. On a changé de musique ou pas? Est-ce qu'on aurait pas changé de musique? Il m'a gelé. Je suis ravie. Ah, je suis obligée d'être au cac avec lui, mais il va me pourrir la tronche. Ah, je lui tourne le dos, quoi. Je peux aller ailleurs? Non. Ce petit coup de pied en l'air, il me fait trop rire avec ça. Vas-y, viens m'attaquer! Ah non, c'est moi qui ai pris le coup. Je suis en confusion, donc voilà. Je sais pas ce qui est... C'est quoi les signes? Pourquoi il me dit plein de flèches vers le bas? Ah, il me dit mini-mécapa. C'est peut-être ça. Ah, il a spammé. Bon, bah du coup, je l'ai shooté. Pitié d'autres maps, s'il vous plaît. Donnez-nous d'autres maps. Versus Harry. Après, je connais pas encore. Je me suis pas encore renseigné sur le studio qui a fait ce jeu. C'est une autre map. Oh là 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 là. 3, 2, 1, fire. Ouais, c'est pas ça. Il va m'attaquer? Non. Ah non, il m'a chopé. Pas gentil. Ah, c'était une attaque ça. La bulle bleue là. Ok, d'accord, super. Ah, j'ai chopé en l'air. Ça, c'est stylé par contre. Ah oui, habituellement dans les jeux de combat, quand on... Pourquoi je saute dans tous les sens, je ne sais pas. Habituellement dans les jeux de combat, quand on saute, c'est flèche du haut, quoi. Là, c'est X. Bon, info. Et il allait charger un truc, lui. Alors, est-ce qu'elle peut charger des choses, moi, la mademoiselle? Ah, elle s'est fait choper! Faut qu'elle arrête de se faire choper, j'étais pas si mal, là. Arrête de te faire choper, purée. Ah, bah, j'étais bien, et puis, bah, voilà, c'est le drame. Il a remonté tout ce que j'ai réussi à faire moi depuis tout à l'heure. Non, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir quand même. Une nouvelle map? S'il te plaît? Oh non, il va me remettre la bande d'arcade, je pense. Oh là là, quand je te dis qu'il aime cette bande d'arcade. Ah, oh, merci Jaeger pour ton réabo! Ça fait plaisir, 3 mois, c'est cool. Tu viens me soutenir, ça fait plaisir. Ah ouais? Qu'est-ce que tu connais? C'est quoi comme jeu de combat qui utilise le X? Parce que moi personnellement j'en connais pas. Après je suis pas la pro des mes jeux de combat, mais là je trouve que ça retire un petit quelque chose. Pourquoi ma vie elle est si basse? Que se passe-t-il? Pourquoi ma vie elle était aussi basse en fait? Mais tu vois, il nous aurait pas fait sauter avec le X. Et eh ben en fait on aurait pu faire un combo avec carré croix, tu vois. Par exemple. Ah ouais. Parce que moi je suis habitué à Smash Bros, effectivement c'est la flèche du haut. C'est quand même pas lui qui m'a descendu ma vie aussi vite. Bah si, c'est possible hein. Déjà lui direct, il a fait venir un squelette quoi, tout va bien. Pourquoi j'ai un truc bizarre au-dessus de la tête? Non mais...
suis moitié morte. Je réussirai pas à passer ce passage. Non, non, hein, je suis encore fou. Ouais. J'aurais bien aimé finir les défis. Au moins une série de défis. Après, je sais pas du tout quand est-ce que ça s'arrête. Parce que tu vois, y a rien d'expliqué. Tu démarres le mode défi, on te dit juste tu choisis un perso et c'est parti quoi. Ouais, super, sauf que c'est quoi en fait le mode défi? Quelqu'un peut m'expliquer? Je sais pas, la base quoi. Ça manque un petit peu? Wow. Qu'est-ce qu'elle fait là? De la vie? Ah là, je l'ai gelé. Je sais plus comment je récupère l'énergie. Ah oui, c'est avec le temps. Ben non, le jeu est déjà sorti. C'est une sortie du 10 septembre. Ouais. C'est ça qui est inquiétant. Je suis morte, c'est ça? Ouais, je suis morte. Ah, puis j'aime bien. T'as pas d'animation de mort en plus. C'est... Tu te prends un coup, t'as le menu qui apparaît. Tu sais pas en fait si t'as gagné ou si t'as perdu. Oui, il est payant. Zouk, est-ce que tu pourrais aller regarder, s'il te plaît, sur le PS Store, à combien il est? S'il te plaît, actuellement. Là, de tête, je ne sais plus. Je pense que ça risque de faire des déçus. Après, c'est là où tu te demandes, là le prix est important parce que s'il est pas très très cher, bon, tu te dis est-ce qu'il y a moyen quand même de s'amuser à voir, mais si en plus il est cher, oh là là. La réduction jusqu'à quand? Pourquoi il me pourrit comme ça lui? Il m'a feinté mon. Oh là. Après, peut-être les commandes on peut les changer. Hein. S'adapter les pré... Tu vois, par exemple, mettre, je sais pas, le saut sur triangle, mettre le combo, enfin, je sais pas. Changer des choses, quoi. Aïe, 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 là, il m'a bien pincé la tronche. Il est gelé ou pas? Là, il est gelé. Parce que moi, j'ai plus beaucoup de vie, là, faudrait vraiment qu'il meure. Est-ce que j'ai réussi ou pas, là? C'est passé. Il est à 25. Normalement, il est à 25, quoi. Attends, Zouk, quand tu mets 25 septembre, c'est sa date de sortie? Il est pas déjà sorti? Attends. Je sais qu'il y avait un embargo pour sa sortie, normalement, au 10 septembre. J'aurais confondu. Ah oui, la date de réduction. Oui, donc c'est bien une sortie du 10 septembre, c'est ça. Parce que je stream pas un jeu qui est sous embargo, ce serait dommage. 23 juillet, ça m'étonne. Pour moi, c'est... Non, 23 juillet, c'est... Ça me paraît loin. J'avais compris 10 septembre, moi. Il bouge pas, lui. Enfin, je vais pas m'en plaindre, en vrai. Je vais passer plus vite comme ça à la suite. Vas-y, viens. Il court. Pourquoi il court dans le mur, lui? Viens. Non, mais. Je crois qu'on a trouvé un boss pété parce qu'il court dans le mur en fait. Il joue pas. Je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais bien geler. Ah ouais. Non, ouais, bon bah... Pour moi, c'est 10 septembre. Ah, je vais me battre contre moi-même. Ouais, pour Noël Buck, là. Ah! Oui, merci. Oulala, rien que 4 Go de mémoire, c'est mort. C'est la mémoire vive, 4 Go. Oh là 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 là. Non, bah c'est foutu, il passe pas. Windows 10, processeur intercore, mon avis, il passe pas. Non, malheureusement, je suis pendant encore longtemps puni de jeu PC.
Malheureusement. Un jour, je vous mettrai ma... Ah, juste pour délire, je ferai un tweet avec ma... mes infos de mon PC pour que vous vous rendiez compte. Juste pour le fun, en fait. Ça pourrait être rigolo. Ce qui est bizarre, c'est que je fais aucun point de victoire, je comprends pas. Pourquoi je ne fais pas de point de victoire? Je ne fais pas ce qu'il faut. Il est où le souci? Là, je l'ai gelé et tout. Ouais, ok, c'est passé. Ouais, Zuko, la chance. Tower of Samsara. Il va sortir à combien le donjon de Nullbuck? Ah bah si j'avais pu, je l'aurais peut-être pris direct. Mais après, j'aime bien les packs un peu spéciaux. Mais le problème, c'est comme là, je pense pas qu'ils sortent en version physique. Sinon, je l'aurais pris en pack quoi, tu vois. Avec des petits bonus, ça reste Donjon de Nullbuck. Et j'aime bien, je suis l'illustratrice des BD sur. Bah, qui a participé au jeu. Enfin, faut vous que je vérifie, que je vous dise pas de bêtises. Marion Poinzo qui a fait les BD. Et elle est. Elle, franchement, elle est rigolote. Et puis elle donne des. Elle fait des petites blagues, des petites illus et tout sur le Donjon de Nullbuck. C'est sympa. Elle est sympa à suivre, je l'aime beaucoup. Il est moins cher en Suisse le Bounty Battle ou. T'as de la chance, dis donc, Gapi, tu vas te le prendre. Hein. Bon, bah pour le moment, on gagne. Ah, bah voilà le perso de Dead Cells. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Apparemment, il s'appelle The Prisoners. Mais toutes les maps, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent en fait. Si là, ça change un peu. Non, là, ça doit être les maps des persos quoi. Faut que je trouve la map du perso mignon, parce que là, ouais, c'est la map s'adapte au perso qu'on combat. Déjà ça, on a pu comprendre. Voilà, là, je l'ai gelé. J'aurais dû le laisser geler, en fait, pour lui détruire sa tronche. Je l'ai regelé. Gros avantage de pouvoir geler. Il m'a mis un coup de pelle, ok, d'accord. C'est quoi toutes ces armes qui me sort, lui? Par contre, pourquoi je me redonne pas de vie, là, cette fois? On court après. Si je esquivais un peu. J'ai plus de vie. Là ça bouge un peu plus contre lui. Je vais me faire couvrir. Ouais, il m'a eu. D'accord. Ah oui, effectivement. Alors, je sais pas le change, mais. Shield Maid versus the prisoner. J'y mets le... Non merci. À mon avis, le test risque d'être cocasse. Hein. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie des potions. Ça permet de découvrir le gameplay des autres persos. Hein. Aïe. Putain mais genre, il me retire je sais pas combien de vie d'un coup comme ça, c'est la fête. Ah c'est bon, j'ai réussi à me remettre de la vie. Il a spammé. Là, je l'ai gelé. Là, je l'ai gelé encore. Ça n'a pas duré longtemps. Ouh là, il m'a mis un bon coup. Oh là là, mais sérieux, les coups d'épée qu'il me met. Ah non, mais il est. On est d'accord que. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Shield Maid versus the prisoner. Ouais, je pense qu'on peut le considérer comme un peu loupé, ouais. L'idée était bonne, mais soit ils avaient pas assez de moyens, soit ils ont eu des soucis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la prog. Vraiment, mal passé. T'as le Dead Cells, il est rapide, la vache. Quoi? Je suis morte, là? Mais comment je suis morte, là? D'accord. Comment je suis morte? J'avais encore vachement de vie normalement. La barre de vie elle est pétée aussi ou quoi? J'aurais bien voulu ouais, finir au moins un défi là, mais. Je pense que je vais bientôt craquer pour ce soir. On peut pas dire que ce soit le gros fun, hein, je vous avoue. Pourquoi j'ai déjà si peu de vie?
C'est qu'il fait trop mal en fait. Oh là là là. Bon, j'essaie encore. Puis voilà, y a pas d'animation quand on prend le dernier coup. Y a pas un oh 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 comme dans Mortal Kombat où ton personnage il part en arrière ralenti. Enfin, ton menu il s'éteint juste que le jeu s'éteint. Tu sais pas si t'as gagné ou si t'as perdu en fait. Je me le noter ça d'ailleurs. Je vais mettre fin de combat, on sait jamais si on a gagné ou perdu. Tac, noté. Parce que, en fait, le truc, c'est que dans les tests, maintenant, on met plus de notion de prix. Parce qu'effectivement, ce test, au moment où il sort, le prix, effectivement, il sera bon. Oh non, mais sérieusement, j'ai plus de vie déjà. Non, mais c'est quoi ce truc? La dernière fois que j'essaie, j'arrête. Hein. Shield Maiden versus the prisoner. Et donc oui, les notions de prix, on les met plus forcément dans les tests, on les prend plus en compte. Parce que étant donné que voilà, entre le moment où le test est sorti et le moment où les gens vont le lire, bah, le prix du jeu va forcément baisser. Donc ça, c'est plus valable dans les critères. Donc ça, on le met plus. Par contre, oui, entre nous, on peut se le dire. Là, à la sortie, c'est un peu cher, quoi. Enfin, sauf s'il s'améliore, mais c'est pas gagné. Ce qui est pas juste, c'est que lui, il me retire ma vie, mais ma barre de vie en... Ah, regarde, il me fait 4 enchaînements et il me retire ma barre de vie. Mais oui, on est d'accord. Sur la bande-annonce, c'était vraiment joli. On va aller... Ah bah non, Marc, j'ai dit, on va essayer d'aller sur un autre perso qui, lui, devrait avoir des maps jolies. Non, mais rien que le menu qui déconne comme ça, c'est juste impossible. Défi. Parce qu'il y a une map... Oh là là, non, mais sérieusement. Il y a une map que j'avais bien aimée. Il faudrait que j'aille un entraînement sur le All Boy. Il faudrait que j'aille un entraînement sur All Boy, peut-être pour... Parce que là, je suis rentrée dans le mode défi. J'ai démarré le mode défi. On choisit un perso. On sait même pas le nombre de combats qu'on va avoir affronté en fait. On sait même pas si le combat là que j'étais en train d'affronter contre le prisonnier, est-ce que ça va être le dernier ou pas. Alors là, aucune idée. Ah d'accord, ok, je me fais shooter direct. Après, c'est la première fois que je m'en sers. Je vais aller en salle d'entraînement avec lui après. Ouais, j'aurais dû faire ça direct plutôt que de venir en baston direct. Il fait quoi là alors? R2, il fait un petit tourbillon. Et ce qui est drôle, c'est que... Qu'est-ce qu'il a? Il y a un mec qui apparaît. Il y a un mec qui apparaît qui tire. Ok, d'accord. Là, il se redonne de la force, c'est quoi? C'est un Astérix. Bon, moi, c'est passé. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est que de base, il était prévu en sortie le 16 juillet, il est sorti le 10 septembre, mais il est d'accord, ok. Ah ouais, Zouk, on est d'accord. Très beau commentaire du viewer français. Ils ont repoussé la sortie, mais malheureusement, ils ont... Voilà, ça n'a pas suffi. Un peu la débandade, quand même. J'aime bien le petit old boy, il est mignon. Si seulement j'arrive à le débloquer en mode tournoi, ce serait bien. Si pour avoir des skins et tout. Parce que si je suis bloqué sur l'autre neuneu, là, de Valkyrie, ben, je verrai pas les skins des autres, c'est génial. Ah si, au moins, on pouvait faire le tournoi en choisissant son perso, ça paraît très logique, je sais pas. Mais elle a un R1, ça marche pas, j'avais pas accès aux autres personnages. Ah, je connais pas Oldboy. J'aime bien le personnage en tout cas. Allez, on est reparti sur la map trop moche. Zabardi. Je spam là. Du coup, il va me dire je spam, donc il va dire c'est pas bien. Pas bien de spammer contre le lave-linge. Ah non, mais je l'ai pris dans un coin, le pauvre.
Bon, j'ai trouvé le perso le plus cheaté, c'est All Boy. Les autres personnages, je peux rien faire devant lui. Ça raconte quoi, All Boy, comme dans le synopsis? Synopsis. The Bug Butcher. Non, mais sur le papier, c'était bien. Hein. C'est dommage. Ça a pas marché. Et les maps sont très sombres. Pas très animées. Ah, ils volent carrément. Ah, ils volent longtemps. Ah, il redescend plus. Donc ça, c'est triangle. Eh, je suis obligé de pencher la manette pour faire carré et triangle, quoi. La blague. Lol. Ah, il s'est fait geler, le petit... Oh, le pauvre, il me fait mal au cœur, la tête qu'il faisait quand il s'est fait geler. Il est cheaté, lol boy. Ah, bah, je me suis fait geler. Geler en l'air, c'est pas mal, remarque. Aïe, je me suis fait taper. Aïe, je me suis fait pécho. Pourquoi ils s'énervent un coup, les persos, là? Je pense que j'ai une suite d'échaînements que j'arrive pas à faire. Parce que je pense qu'une fois qu'ils volent, je dois pouvoir redescendre d'un coup. Voilà, je suis shooté dans la tronche. Non, mais ça va pas faire de la bonne pub, hein, malheureusement. Pour tout ça. Je pense que d'ici... J'arrêterai. Je pense qu'on en a assez vu. Moi, je continuerai en off, hein, bien sûr. Comme d'habitude. Là, ils ont mis un mur, en fait. Ah d'accord, ils mettent des bandes d'arcade à chaque fois que ce sont les persos qui ont été créés pour le Bounty Battle. Celui-là par exemple, ce mage-là, là, il a été créé pour le Bounty Battle. Et ouais, ils ont créé des persos. Ouh, je me suis fait un coup de jus là. J'ai pour vous level up la Negapi. Ça monte, ça monte. J'ai pété un squelette. Oh oh, je me suis pris... Ah ouais, non, cette boule-là, elle est imparable. Là c'est une tornade. Oh là, oh là 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 là. J'ai cru que j'allais me le faire direct, mais en fait non. J'arrive pas. Non, il m'a eu. Il m'a eu. Parce qu'on prend un, on comprend ce qu'il dit le mec quand il parle. Là il a depuis. Il a dit à la fin du combat. Donc je savais pas si j'avais gagné ou perdu. Ça fait ruf ruf. Je vais spammer comme ça, il pourra pas bouger. C'est une bonne technique. Quand tu peux pas, quand tu les empêches de faire leur sort. Bah, y a quand même un vaucun squelette là. Ah, pas du tout. Ok. Ah, il m'a chopé. Pourquoi avec lui j'arrive jamais à appeler de sbire? C'est pas juste. Le pauvre il se fait. Hop. Bon, faut que j'arrête de spammer parce que sinon je vais avoir des problèmes. Faut que je fasse quoi du coup maintenant? Ah, y'a beaucoup de squelettes là, c'est pas cool. Voilà. Vas-y, je vous tire dessus moi. Tiens, prends ça. Ah, je peux pas. C'est gagné ou perdu là? C'est gagné. Alors, attends, ils ont créé une transparence sur le joystick de la borne d'arcade en mode. Ça va t'aider à mieux jouer? Ah bon? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Même cette map-là, elle devrait être plus jolie, je crois encore. Comment je redescends? Ah non, là, je me suis fait avoir. Ah, il m'a chopé. On va peut-être aller plus loin grâce à lui. Sur quoi on était resté bloqué tout à l'heure? Ah oui, sur le personnage de Dead Cells. On était sur Dead Cells.
Ah d'accord, ah oui, ils ont fait un petit effet de ok. Et on en parle des genre ça m'a touché là. La blague. Ça m'a touché. Ah oui, les lags quand on joue un tournoi et qu'il y a des personnages qui apparaissent, des CPU qui apparaissent. Ce lag de la mort. Oh, c'est pas possible. Mais c'est triste en fait. Il y avait du potentiel quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans le studio. Est-ce que c'est effet Covid? Est-ce que... On saura pas, mais il y a un gros souci. Je vais me renseigner plus avant et puis je saurai peut-être ce qui s'est passé là-dessus. T'as vu des raisons comme quoi il était pour les raisons pour lesquelles il était déplacé, le Zouk, dans tes recherches? Quand je suis en l'air comme ça, je sais pas comment je redescends. Bon là, on l'a pourrie au suivant. Hein. Et j'étais allé loin avec eux. Hater, je sais pas comment on dit. Avec huître. 3, 2, 1, fire! Piou, piou, piou! Boum! La pauvre! Piou, 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 je t'échappe! Après, c'est comme tous les jeux de combat, hein, faut s'y habituer, mais là, c'est qu'en fait, visuellement, c'est laid. Je suis désolée de le dire, mais c'est loupé. Et les trailers étaient beaucoup plus jolis, mais après, c'est facile de faire des beaux trailers et puis. Et c'est malheureux quoi, parce que en fait tu penses que t'auras quelque chose d'original et de qualité, et tu l'allumes et t'es déçu, forcément déçu. Parce que je m'en fiche que ce soit pas de la belle 3D, on s'en fout, les 3D c'est pas obligatoire quoi, pour un bon jeu. Ah c'est remis de la vie, c'est vrai. Ah il voulait rajouter quelques... Non non, il voulait pas rajouter quelques émulations, mais le jeu il était daubé quoi. On voit bien qu'il reste encore énormément de problèmes. Là, on n'était pas au niveau de l'amélioration, là, c'était pas... Je pense pas qu'il voulait débugger, hein. Enfin, je pense pas qu'il voulait rajouter des améliorations, genre le jeu de base fonctionnait bien, non. S'il pouvait arrêter de se remettre de la vie, ce serait bien. La petite tornade, elle est cheatée. Ça aussi, c'est cheaté, tiens. Des tirs à distance comme ça, alors je l'ai prise dans le coin, c'est abusé. Ah oui, du 16 au 23 et du 23 au 10. Ouais. Mal. Tower of Samsara. Non mais même le menu et tout. C'est compliqué. Mais dis pas qu'on va devoir se battre contre tous les persos en mode défi. Ça va être très long. Si je viens de réfléchir à ça, il y a 30 persos quand même. C'est pas ça le mode défi quand même. Je pleure. Marc, ça permet de voir tout le monde, mais... C'est bon, je sais comment ne plus voler. Ah, je me suis fait prendre dans le vortex, là. All Boy, j'aime beaucoup. Comme perso. Oh, ils se font pourrir. Ouais, pareil, énormément. Je suis comme toi en fait, donc je m'attendais pas à ça. Et puis ce genre de choses, tu le sens dès que tu mets la main sur le jeu, quoi. T'as, regarde les barres qui sautent et tout. Quand tu reviens sur le menu, il y a tout qui saute, en fait, l'image principale. Puis je sais même pas pourquoi ils te remettent toujours sur le mode versus. Sur le menu du mode versus. Là, il va me faire suer encore, lui. Ah, je suis dans le poison, d'accord, ok. Ouh! Il fait mal! C'est lui que j'arrive pas à passer! Ah bah oui. Oula! Il y a eu un bug d'affichage de la mort là! Horrible! Non mais je vais faire encore 5 minutes de live et puis je vais arrêter. Puis je le ferai hors live et. À mon avis, je restreamerai pas dessus, hein. Ça c'est quasiment sûr. Ou je vais faire à distance. Sauf que lui aussi il a de la distance. Si je spam, ça va pas lui plaire au jeu.
Pour le moment, ça marche. Donc là, je me casse. Et je recommence. C'est laid, mais ça me permet de passer au suivant. Piou. Non. Non. Je veux pas mûrir. Là, la musique est pas trop mal. Hein. Mais ça se trouve, c'est les musiques de jeu, la musique normale de jeu qui est présentée. C'est juste peut-être que j'aime pas la musique des jeux de base. Il m'a eu, je suis dégoûtée. Parce que quand on joue contre Bloc machin là, le sèche-linge là, la musique elle est horrible. Donc là c'est peut-être la musique de Dead Cells, qui est, du coup c'est bien. Tu le streameras Dead Cells ou pas, Zouk? Comme ça on pourra voir. Vas-y, essaye de m'approcher mec. Je chope aussi un peu histoire de varier. Ah ah. En fait, je fais ça, je fais le schlag parce que sinon j'arrive pas à le passer le Dead Cells. Donc c'est schlag ce que je fais là, je sais. Mais bon, c'est comme quand tu enchaînes un Kamehameha en boucle sur Street Fighter, c'est pas bien, mais bon. Ça me permet de voir la suite. Ah cool! C'est bon, on passe au suivant, Guacamele. Moi, ça permet de voir la map de tout le monde. Ah, mais non, mais en fait, c'est moche. Hein. Je suis désolé de le dire, mais... Même là, c'est lumineux. Et ça passe, et ça va pas. Ah, vous voyez ou pas? Ah, il va me pourrir, il va me faire suer, lui. Non, c'est pas que c'est moche, mais il y a un truc qui cloche, quoi. J'arrive pas à expliquer. Oh, il m'a défoncé. Il m'a pourri la tronche. C'est pas bien de dire moche. Mais l'effet est loupé, quoi. Moi, je recommence en spam, hein. Bon, s'il a réussi à venir. C'est pas bien parce que c'est un jugement de valeur. Mais c'est malheureux. Mais non, mais c'est ça! C'est entre le trailer. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'entre le trailer et le jeu final, le rendu final, c'est une catastrophe. Ça, c'est plus du tout le même jeu. C'est pas possible d'avoir une telle différence. Ah, je vais me faire poutrer. Ah, il est trop dur. Il est horrible. Bon, vous savez quoi? Je vais arrêter là. Ça va pas vous étonner si je vous dis ça? Oh là 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 là. Oh. Ah, le menu qui est pété. Voilà, voilà. Pour ce jeu-là. Voilà, voilà. Parce que du coup, tournoi... La tournoi, j'ai pas le choix, voilà. Là, vous voyez pourquoi elle fait des petits mouvements sur la même, c'est parce que j'essaye de faire L1 ou R1. Voilà. Et donc, je peux pas accéder aux autres persos, donc je suis obligée de passer avec elle, là, cette bille, là. Contre eux, je dois les éjecter, j'arrive pas. Non, mais je vais pas... Pourquoi j'ai relancé? Je voulais arrêter. Donc, il faut que j'arrive à passer elle, là, pour pouvoir accéder aux autres, et... Oh, je suis tombé, j'ai failli tomber toute seule comme une teubée. Le problème, c'est que j'ai rien qui éjecte. Et il m'éjecte super facilement, et moi, que dalle, quoi. Si, là, j'ai réussi, mais pendant ce temps-là, il y a le guacamole machin là, qui est sur moi. Oh, ah non, mais les lags, quand on... Bah, du coup, je vais faire que ça, je vais faire que de la prise et pousser. Voilà, je vais faire ça, voilà. Hop là, ça dégage. Oh là là, ce lag. Alors, donc, tu m'as mis transparence derrière... Ah ouais, pff. Oh, c'est pas très réussi. Je viens de voir la transparence derrière la... les trucs d'arcade. Je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Bah, c'est juste les traits du perso qui... Oh là 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 là. Toi aussi, fais un jeu avec Paint.
Ouh. Non, je rigole, c'est pas gentil de dire ça. Mais il y a de la restructuration de personnel, peut-être, je sais pas. Ça me fait toujours penser aux vidéos de JDG quand ils présentent, quand ils font semblant d'être d'être le un studio de jeu et qui pousse au fion les mecs pour sortir le jeu malgré des bugs, malgré machin, malgré que ce soit complètement loupé. Je suis tombée. Bah ça fait un peu penser à ça quoi, vraiment. Tiens, toi tu dégages. Oh là 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 là. Heureusement que Smash Bros, il n'y a pas les petits bugs quand d'autres personnages apparaissent. Hein. Ouf. Ah, vous voyez ce magnifique ralenti, c'est pas mon stream. C'est le jeu. Pourquoi il y a des poulets, j'en sais rien. Donc oui, ce jeu-là, vu que ça se joue pas sur la vie, ben en fait, je les prends et je les jette, et je les prends et je les jette, et voilà, je les prends et je les jette. Donc je saute, je prends, je jette. Ah, toi, tu seras le dernier, vas-y, je te jette. Et puis comme ça, on passe au mode suivant, allez. Studio indépendant, tu penses qu'il y a moins de poussage de fion ? Non mais ouais, gros foutage de sur ce jeu, clairement. Donc dernier boss, je sens que ça va être compliqué, je vous le dis. Là je l'ai chopé. Ah bah non, ça se passe plutôt bien là. Pour un boss, c'était juste les autres neuneux, fallait que je comprenne qu'il fallait que je les jette de la bande d'arcade et puis voilà, c'était tout. On va finir un personnage au moins en live, c'est déjà ça. Donc voilà, on a réussi à battre le boss. Ok. Aïe aïe aïe. Voilà voilà. Je touche à rien, c'est très drôle. Il se passe rien de plus. Je fais quitter du coup. Oh là là. Oh, comment ça saute tout le temps. Merci Gapi, c'est gentil. Donc maintenant que j'ai réussi à battre... Ah génial, ils imposent les persos. Et ils mettent là où on n'est pas mort en fait. Là où il y a des petites couronnes, c'est là où on n'est pas mort. Donc on a eu le skin. Voilà, voilà. Donc bon, bah deuxième, c'est lui. Et si je voulais... Ah oui, je voulais faire l'entraînement. Oh oui, c'est à pleurer, vraiment. C'est à pleurer. Ça fait trop ça, ça fait un beau Canal+. Si je vais en entraînement avec... All Boy. Est-ce qu'on aura sa map ? Pour comparer quand même avec le trailer. Non mais le trailer, ils ont poussé la luminosité à pleine balle. Ils ont mis de la lumière, de la couleur partout et on y retrouve. Putain, non, c'est la bande d'arcade. Ok. Bon, bon, on va finir sur cette déception. Ah, il augmente sa... Apparemment, il augmente sa défense. Un petit bouclier au-dessus de la tête. Est-ce qu'il a des charges, lui ? Ouais. Je crois qu'il est... Je suis constipé. Ah oui, il peut pousser grâce à ça. C'est pas mal ça. Du coup, ça m'aidera pour quand il fera le tournoi, il faudra pousser les autres neuneux là. Oh là 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 là. C'est compliqué. Voilà, allez, stop hein. Quitter. Et puis on va se quitter là-dessus. Hein ? Qu'ils ont pensé ? Hein ? Dites. Codé avec le codé avec le Non bah, du coup j'aurais pas besoin de reprendre de faire comme je te disais Zouk en off ce que j'avais prévu de faire après ce code là. Je n'aurais pas besoin de le faire si tu vois ce que je veux dire. Bon, et bah j'ai plus qu'à vous dire au revoir et désolé
Au moins, on aura testé ensemble. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait qu'il y a énormément de bugs sur ce jeu. Que le trailer est mensonger par rapport au finish. Clairement, le jeu est en deçà de ce qu'on aurait pu croire, quoi. Ouais. Et il y a des lags, et puis il y a des bugs graphiques. Enfin, c'est... C'est vraiment dommage, quoi. Il n'est pas abouti du tout. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci énormément de m'avoir soutenu. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis, bah, la prochaine fois qu'on se recroise, c'est sur le live de Zouk demain soir. Oui, dommage, parce que l'idée de base était très bonne. Je le mettrai quand même sur le... Sur le test, que l'idée de base était très bonne. Moi, je continuerai de mon côté, je vais essayer d'avancer dans les tournois. Histoire de me faire voilà, un avis, mais je pense que là, l'avis, il est assez rapide à faire, hein, globalement, par rapport à ce qu'on a pu voir ce soir. Donc voilà le topo, quoi. Wally Wally, bah oui. Allez, gros bisous, je coupe là-dessus. Et donc, oui, j'ai dit demain soir, live de Zouk Zouk sur Hob. Jeudi soir, live de moi-même sur Star Wars Battlefront. Vendredi soir, live de Zouk Zouk sur Arise, c'est ça, je crois. Et moi, je stream dimanche soir sur Horizon Zero Dawn pour la fin. Donc, hein, vous avez de quoi faire cette semaine. Il y en a pour tous les goûts. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine. Ciao, ciao!